Hi, I'm Dr. Brendan Roach, founder of ACTS. Salut, je suis Dr. Brendan Roach, fondateur d'ACTS. Et je suis Dr. John Simons, directeur des programmes en langue française chez ACTS. Welcome to the ACTS French Ministry Training Program. Bienvenue dans le programme de formation du ministère français ACTS. I believe the greatest need we have in the church today is to have well-trained pastors, and that's why we've developed the ACTS French Ministry Training Program. Je crois que le plus grand besoin que nous avons dans l'Église aujourd'hui est d'avoir des pasteurs bien formés. Et c'est pourquoi nous avons développé le programme de formation du ministère français ACTS. So that churches all around the world can have well-trained pastors leading them. Pour que les églises du monde entier puissent avoir des pasteurs bien formés pour les diriger. And we want you to be one of those well-trained pastors. Et nous voulons que vous soyez l'un de ces pasteurs bien formés. The ACTS French Ministry Training courses are being provided to you at no financial cost. Les cours de programme de formation du ministère français ACTS vous sont offerts sans frais financiers. It's not costing you anything. They are completely free. Cela vous coûte rien. Ils sont entièrement gratuits. You might say, what do we get out of this? Vous pourrez dire, qu'est-ce que nous en retirons? We get good, healthy churches established with well-trained pastors leading those churches. Nous obtenons de bonnes églises saines établies avec des pasteurs bien formés qui dirigent ces églises. What we've done at ACTS is that we've designed our French ministry training courses to be done anywhere. Ce que nous avons fait à ACTS, c'est que nous avons conçu nos cours de formation au ministère français pour qu'ils se fassent n'importe où. But specifically, we've designed them for majority world pastors and for pastors in the persecuted church. Mais spécifiquement, nous les avons conçus pour les pasteurs du monde majoritaire et pour les pasteurs de l'Église persécutée. So if you're a majority world pastor or the pastor of a persecuted church, then this training is free and at no cost to you. Donc, si vous êtes un pasteur du monde majoritaire ou un pasteur d'une église persécutée, alors cette formation est gratuite et sans frais pour vous. But if you're in a Western church or if you're in a wealthy church, then we ask you to contribute to the training. Mais si vous êtes dans une église occidentale ou si vous êtes dans une église riche, alors nous vous demandons de contribuer à la formation. Why? Because if you contribute to the training, we can train more pastors who can't afford this high quality training. Pourquoi? Parce que si vous contribuez, nous pouvons former plus de pasteurs qui ne peuvent pas se permettre une formation de qualité. So if you can make a contribution, great. Or if you feel like you can't contribute, then that's okay, because we want to bless you and we want to see healthy churches established all around the world. Donc, si vous pouvez apporter une contribution, formidable. Ou si vous sentez que vous ne pouvez pas contribuer, alors c'est bien, parce que nous voulons vous bénir et nous voulons voir des églises saines établies partout dans le monde. An important part of this course that you're going to complete is reflecting on what God has called you to do. Une partie importante de ce cours que vous allez suivre est de réfléchir à ce que Dieu vous a appelé à faire. So you must take the time to reflect and pray on what God has called you to do, to be a pastor or not. Vous devez donc prendre le temps de prier et de réfléchir si Dieu vous a appelé à être pasteur ou non. What's the direction that God's taking you in? Dans quelle direction Dieu vous amène-t-il? If you already have a clear sense that God is calling you to plant a church, lead a church, or pastor a church, then great, you're ready to go. Si vous avez déjà le sentiment clair que Dieu vous appelle à implanter une église, à diriger une église ou en faire le pasteur, alors super, vous êtes prêt à aller en avant. You're ready to move forward, start doing the training, but if you're not sure, take a moment to pray, reflect and see what God is calling you to do. Vous êtes prêt de commencer à faire la formation. Mais si vous n'êtes pas sûr, prenez un moment pour prier et réfléchir que ce que Dieu vous appelle à faire. Maybe God is calling you to be part of a church team. Peut-être que Dieu vous appelle à faire partie d'une équipe d'église. Make sure you know within yourself that this is what God is calling you to do.
Assurez-vous en vous-même que c'est ce que Dieu vous appelle à faire. It might seem like a simple thing, but trust me, it's a very important part of this course. Before you get going, make sure you know that this is what God is calling you to do. Cela peut sembler simple, mais croyez-moi, c'est une partie très importante de ce cours. Avant de commencer, assurez-vous que vous savez que c'est ce que Dieu vous appelle à faire. So in light of that, let's take a moment to pray. Alors, à la lumière de cela, prenons un moment pour prier. Lord, I pray a blessing upon each and every single person who is doing this course. Seigneur, je prie une bénédiction pour chaque personne qui suit ce cours. Lord, that they plant healthy churches. Seigneur, qu'ils en plantent des églises saines. That they grow healthy churches. Qu'ils développent des églises saines. That they lead healthy churches. Qu'ils dirigent des églises saines. And that great leadership is developed all around the world. Et qu'un grand leadership se développe partout dans le monde. I pray a blessing on each and every person who completes this course. Je prie une bénédiction pour chaque personne qui arrive à la fin de ce cours. That they will be blessed by God. Afin qu'ils soient bénis de Dieu. And build great churches in Jesus' name. Amen. Et qu'ils construisent de grandes églises au nom de Jésus. Amen. It's great to have you as part of the ACTS training. Super de vous avoir dans le cadre de formation ACTS. I'm Dr. Brendan Roach, founder of ACTS and trainer of people called by God. Je suis Dr. Brendan Roach, fondateur d'ACTS et formateur des personnes appelées par Dieu. Amen.
Thank you.